Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine pour entendre Dieu nous parler avec notre invité Alain Audercet. Bonjour. On est content de t'avoir à nouveveau dans Prière Inspirée. Ouais, c'est cool. On avait passé vraiment des bons temps il y a un an. Et si vous n'avez pas déjà vu l'émission, la série d'émissions, vous pouvez regarder ça sur enseignemoi.com ou sur le YouTube de MCI TV. Donc, on est très heureux de t'avoir à nouveau, Alain. Ouais, c'est cool, ouais. Et de pouvoir parler d'un sujet que tu aimes, c'est Dieu. Plus qu'un sujet, une personne extraordinaire. C'est nous, ces sujets. Mais surtout, entendre Dieu. Ouais. Entendre Dieu nous parler. C'est vrai que, comme je te le disais juste avant l'émission, tu m'as beaucoup inspiré encore maintenant à travers tes lettres de nouvelles. Trop gentil. La façon dont tu vas rencontrer Dieu. À chaque fois, je t'imagine aller dans la forêt ou ailleurs, mais cette image de la forêt, j'aime ça beaucoup, te voir là et prendre le temps de parler à Dieu malgré un agenda qui est très occupé, très débordé. Et c'est un peu ce dont on va parler cette semaine, c'est entendre Dieu nous parler, prendre le temps de pouvoir lui parler, mais aussi comment entendre Dieu parler dans nos pensées, dans nos rêves, les différentes façons que Dieu utilise pour nous parler, et aussi comment nous aussi, on peut parler de la part de Dieu aux autres. C'est un peu ce qu'on va voir ensemble. Et ce matin, en méditant, c'est peut-être une petite parenthèse, je réalisais que le Seigneur aime être accueilli. Et la Bible dit qu'il est devenu la pierre angulaire, celle qui était méprisée. Et des fois, on méprise comme ça des personnes autour de nous. On a beaucoup un regard critique sur les gens qui nous entourent. Et je vois comment Jésus aime être accueilli, mais aussi comment il aime qu'on accueille ses serviteurs. Et à un moment, il y a une femme qui vient dans la maison d'un pharisien, ce pharisien, il commence à juger la femme dans son cœur. Et Jésus lui dit, mais toi, tu ne m'as pas embrassé quand je suis entré, tu ne m'as pas lavé les mains, tu ne m'as rien, en fait, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Il dit, mais elle a fait tout ça. Et des fois, dans nos vies personnelles, on est facilement à critiquer, à juger les autres, et alors que Dieu seul peut le faire et Dieu voit le cœur. Et c'est tellement important, et c'est une petite parenthèse, mais je crois que ça peut nous aider aussi à entendre Dieu nous parler, parce que souvent on veut entendre Dieu parler, mais on a dans le cœur toutes sortes de jugements vis-à-vis des autres. Et c'est tellement dur d'entendre Dieu parler quand nous-mêmes, on a toutes sortes de trucs à l'intérieur de nous qui empêchent en fait d'entendre vraiment bien Dieu nous parler. Et certainement, on attriste souvent aussi le Saint-Esprit. Et j'aime l'image de cette femme qui vient à la maison de ce pharisien religieux. Et lui, voilà, c'est beaucoup les apparences, mais elle a un cœur, elle a un vrai cœur pour Jésus. Et elle s'approche de lui telle qu'elle est, elle l'adore. Et je prie que dans nos églises, dans nos vies personnelles, on puisse ne pas être comme... Et Dieu a dû l'apprendre au prophète Samuel qui vient et il vient pour oindre le roi et en fait il regarde à l'apparence et Dieu doit lui faire comprendre que non, regarde pas à l'apparence, regarde au cœur. Et c'est important, que Dieu trouve en nous des bons cœurs pour notre propre vie mais aussi pour ceux qui nous entourent. Nous puissions non pas regarder à l'apparence des gens mais à leur cœur. Et aujourd'hui on va parler de comment la façon dont Dieu nous parle dans nos pensées. Ouais. C'est un sujet que tu avais à cœur. Ouais. Alors, merci, c'est trop, c'est cool, Jérémy, de me faire confiance. j'aimerais vous parler de ça, mais en même temps, vous dire que je suis pas le spécialiste. Tu vois, par exemple, on m'a demandé, avant une émission, on m'a dit, bon, alors, c'est quoi ton titre? Tu es pasteur, tu es prophète, Je dis, mais je suis rien du tout, moi. Enfin, c'est même pas de la modestie. Je suis pas pasteur. Je suis comme les gens qui m'écoutent maintenant. Je suis comme eux, tu vois. Il faut surtout pas s'imaginer que je sois autre chose que comme chacun de vous, parce que Dieu peut parler à tout le monde, vraiment. Je suis votre pote, voilà. J'en sais rien. Je suis un touriste. voilà. Et donc, je me souviens, ce matin, j'étais me balader dans la forêt. J'aime bien chercher Dieu dans ces moments-là. Oui, alors j'ai un agenda très rempli, mais j'ai compris une chose, c'est que quand on prenait du temps avec Dieu, on gagne du temps. Ça paraît pas, mais tu gagnes du temps. C'est des raccourcis. Enfin bref, et puis je me suis rappelé de cette histoire que je vais vous conter. J'étais
jeune, en 10e année d'école. Et puis, j'allais faire un camp d'une semaine avec ceux de ma classe. C'était dur à l'époque parce qu'ils se moquaient beaucoup de ma foi. Et puis vraiment, publiquement, ouvertement, ils prenaient ma Bible, ils montaient sur la table, ils disaient « Regarde ta Bible !» Tu vois comment mm. Ben ouais, moi, j'avais pas la maturité de l'époque. Je disais « Rends-moi ma Bible, toi !» Enfin voilà, des situations. Puis je disais à Dieu « Mais écoute, Seigneur, je vais passer une semaine avec mes collègues et ils vont se moquer de moi, ça va être dur, tu vois. » Et fait que j'ai quelqu'un qui... que je rencontre un chrétien, quelqu'un, tu vois, que je ne sois pas tout seul. Et puis, en arrivant chez moi, ben, il y avait une lettre sur mon lit. J'étais chez mes parents, tu vois. Puis, je ne recevais jamais de lettre, moi. Voilà. Puis, cette lettre, c'était quelqu'un que j'ai croisé dans le train, puis qui m'a dit, voilà, c'est une personne assez étonnante, c'est une dame qui écoute Dieu, puis qui va là où il l'appelle, où elle l'appelle, tu vois. Et puis donc, ça lui arrive que Dieu lui dise, ben voilà, tu vas à tel village, tu sonnes à telle porte, puis à ce moment-là, j'ai un message que tu dois donner à cette personne. Puis souvent, c'était quelqu'un dans une extrémité qui venait de demander à Dieu quelque chose, qui allait se suicider ou comme ça. Enfin bref, c'est assez étonnant. Puis c'est elle qui m'écrit, puis me donne des encouragements, et puis elle me dit qu'elle va exactement là où j'allais, c'est-à-dire à Yverdon, c'est une ville de Suisse. Sa belle ville. Ouais, je me suis dit, mais c'est fou ça, je venais de demander à Dieu, mais donc Dieu savait que j'allais lui faire cette prière, puis je reçois le courrier au moment où j'arrive, mais ça fait 3 jours qu'il est sorti ce courrier. Enfin bref, du coup, grâce à ça, j'ai pu aller prendre contact avec cette dame. J'étais la voir, et puis quand j'ai sonné à sa porte, bah, c'est une autre dame qui m'a ouverte, mais elle était remplie de l'esprit. C'était une jeune dame, mais elle était rayonnante. Je suis resté bouche bée comme ça. Je sentais tellement la présence de Dieu. Et puis, c'était 3 dames. Et puis, ils passaient leur journée à prier. C'est fou, hein? Et c'était vraiment à chercher la présence de Dieu. Puis, tac, ils recevaient des paroles. Et puis, ils allaient les donner à des gens. Mmh. Et moi, pendant cette semaine-là, c'était une semaine vraiment... que je pensais que c'était une semaine de persécution intense. Ben, c'était une semaine de... bénédiction intense. Et j'ai demandé, mais alors comment on entend Dieu? Parce que moi, je sais pas vous, mais j'essaye de savoir si c'est Dieu, mais dans mes pensées. Puis, c'est mes pensées en fait. Puis je dis, mais non, c'est toi qui t'imagines. Et puis après, tu dis, ah, mais c'était Dieu. Et puis même le pire, des fois, tu te trompes, tu dis, ah non, c'était l'ennemi. Comment tu peux confondre? Enfin, je me suis dit, c'est du gros n'importe quoi. Et puis, elle m'a donné une réponse assez étonnante, ou pas, je sais pas, mais elle m'a dit, écoute, il faut que tu aies des oreilles comme les oreilles de disciples et que tu aiguises ton oreille et puis que c'est comme ça que tu vas entendre la voix de Dieu. Moi, j'aurais voulu une recette, tu vois, un de ces trucs tout fait là. Puis tu dis, tu fais ça, 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 puis tac, t'as la voix de Dieu. Et puis, donc, du coup, je me suis retrouvé, ben, je me dis, ok, à essayer d'écouter, à voir, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi, à tester, tu vois, comment? Et ça fait, plutôt qu'une information claire, ça me fait plutôt un jeu de cache-cache. Et j'ai joué à cache-cache avec Dieu pendant des années. Mais Dieu aime le jeu. C'est un papa. Moi, j'ai joué à cache-cache avec mes enfants, mais ça nous rapproche. Si je donne une information à mon enfant, il a son information, puis il va faire ce que je lui ai demandé. Quand on joue à cache-cache, on se cherche, on se trouve, on voit des choses de l'autre, tu vois comment? Et donc, c'est ça, j'essaie d'écouter. Et puis, est-ce que c'est moi? Puis je dis, alors ça, c'était moi. Puis voilà, puis petit à petit, j'ai développé d'écouter Dieu. En sachant pas si c'était moi. Et alors, j'ai remarqué qu'il y avait un problème à un moment donné. C'est que quand je m'arrive dans un magasin et puis que je demande « Est-ce que je vais acheter, Seigneur, est-ce que je dois acheter des petits pois carottes ou des petits pois sans carottes ?» Puis je me suis dit « Mais Alain, tu vas finir à l'asile, tu vas venir fou !» Non mais ça va pas, tu vas... Ça va pas quoi, ça va pas. Alors en fait, j'ai aussi compris
que comme dans tout ce que Dieu a créé, mais si vous observez, c'est vraiment ça, il y a de l'équilibre. Donc, le soleil, c'est bien, mais trop, ça te brûle. L'eau, c'est bien, mais trop, ça te noie. Donc, c'est une question d'équilibre. Et tes pensées, les pensées de Dieu, c'est de chercher, tu vois, être raisonnable aussi, mais pas trop. Et aussi être prêt à aller dans des chemins que tu n'as pas l'habitude, mais c'est quand même... Tu restes normal, tu vois, tu restes... Il ne faut pas être un extraterrestre pour les gens, tu vois. Et puis, si ta recherche de savoir qu'est-ce qu'est la voix de Dieu, ça engendre la crainte, c'est pas bon, hein. Si c'est... Ah, je me suis peut-être trompé. Alors, déjà, je veux rassurer tout le monde, même quand on se trompe de chemin, si on tient bien fort la main de Jésus, on n'est jamais perdu. Parce qu'on est avec Jésus. On peut être dans un mauvais chemin, mais avec Jésus, puis on revient. Ou quand je dis un mauvais chemin, je dis que c'est pas forcément un péché. Je dis pareil, plutôt quand tu voulais faire cette étude ou plutôt celle-là ou comme ça. C'est ce qui compte, c'est pas lâcher la main. C'est là, c'est quand tu lâches la main que tu es perdu, même si tu fais exactement la mission que tu devais faire. Tu vois. Enfin bref, l'encouragement, c'est que je pense que si je veux. J'aimerais vous encourager à aussi chercher à écouter la voix de Dieu parce que avec le temps, ben j'entends. Alors je vais tous les jours dans la forêt ou dans le jardin ou un, j'ai rendez-vous tous les jours avec Dieu, mais en fait pas que moi, on a tous rendez-vous, mais c'est pas genre ah, tu es pas venu, hein, oh t'es le pauvre Jésus, il a pleuré, tu vois comment, c'est pas ça, hein. C'est non, mais des fois ils quittent pas l'église, il y a des gens qui quittent pas l'église avec ça, mais t'oublies, tu vois, je sais pas comment dire. C'est, tu veux développer une amitié, alors tu passes du temps avec celui-là que tu veux être ami, c'est pas plus compliqué. Et puis c'est important de te voir régulièrement, qu'il y ait quelque chose qui passe de moi à lui et de lui à moi. Et là ça m'arrive, c'est pas tout le temps, mais qu'on a carrément des conversations. J'entends ça, des choses qu'il me dit, tout ça, et puis je lui réponds, et tout, et puis c'est vraiment béni. Puis c'est fort, hein, des fois c'est vraiment fort. Souvent, quand Jésus dit une parole, c'est comme si tout plein d'idées reçues tombent. Puis tout à coup, ces idées reçues que tu avais sur la vie tombent, et tu réalises qu'il y a un énorme paysage derrière et puis que le monde est beaucoup plus vaste que ce que tu imaginais. Et je trouve que c'est plutôt incroyable. Et puis depuis peu, je dirais, genre depuis l'année passée. Alors là, je suis chrétien depuis l'âge de 15 ans, je vais bientôt avoir 50, tu vois. Depuis peu, Jésus me dit des fois, « Dis-lui à lui, là, dis-lui. Moi, je cherche pas ça. Mais voilà, des fois, j'ai des paroles pour des gens. Ah ouais, mais je sais pas. Alors même, il y a pas longtemps, j'étais à un énorme festival. J'étais pas sur scène, tu vois, j'étais dans un petit stand, je dessinais. Et pendant que je dessinais, tout se projetait sur un écran. Je suis perdu au milieu de plein d'autres stands, là. Puis j'ai mis des chaises et puis des jeunes viennent pour voir le dessin. Et puis, je suis venu exprès dans ce but-là de faire un lien, peut-être que je sois quelqu'un à qui on peut parler ou comme ça. Et puis, tout à coup, je reçois une parole pour telle personne ou quelqu'un qui passe. Puis je la donne et puis moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que c'est une parole qui a un lien, c'est une histoire entre Jésus et eux, tu vois. Puis les gens fondent en larmes, quoi. Ils sont touchés directement dans leur cœur. Mais j'y peux rien, en fait. Je fais juste que de dire ce que j'ai entendu. Mais en même temps, je suis très prudent quand je dis une parole qui me semble avoir reçue de Dieu. Je leur dis, mais écoute, il me semble avoir reçu ça. Ou bien peut-être, je suis même pas obligé de dire ça vient de Dieu. Je dis, ah, mais écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu vois comment? Et puis, en me disant que je peux me tromper, tu vois, mais je suis toujours en apprentissage. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Dieu parle. Et puis, je pense que c'est bien de traîner avec Dieu.
Parce que si tu es toujours avec les mêmes amis, ils t'influencent. Si tu es avec un colérique, tu vas devenir colérique. C'est un verset de la Bible qui dit ça. Je pense que si tu es proche de Dieu, tu commences à ressentir des choses. Moi, souvent, les gens, je les ressens avant qu'ils m'aient parlé. Je ressens plein de choses. C'est comme si... pas toujours, mais des fois, c'est comme s'il y a une sorte de transparence. Pas toujours, hein, mais ça arrive. Et je vois des murs, des fois, des choses qui empêchent Dieu d'être là. J'arrive pas à savoir ce que c'est toujours. Je comprends pas vraiment tout. Je suis un petit peu en apprentissage, tu vois. Mais des fois, c'est étonnant parce que je suis en face de quelqu'un qui se dit pas forcément croyant, mais je ressens quelque chose de Dieu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je fais pas trop de différence dans ma vie de tous les jours. Là, y a pas longtemps, j'étais prendre un café dans un Tim Hortons pour faire la pub. Et puis, je vois la serveuse là. Et puis, le Seigneur, il me dit, dis-lui combien je l'aime. J'ai dit, madame, j'ai vu son nom, elle s'appelle Marie. Marie, excuse-moi, ça te semblera peut-être bizarre, mais Dieu me dit qu'il t'aime vraiment. Voilà, c'est tout. Puis je pars, elle ne sait pas qui je suis, tout. Et puis la personne est vraiment touchée parce que je l'ai dit au moment où Dieu voudrait lui dire. Je ne veux pas le dire systématiquement à tout le monde, tu vois. J'essaie de marcher à son pas. Ça, c'est un dur apprentissage parce que moi, j'ai tendance à vouloir faire plein de trucs. J'ai un chien aussi, il s'appelle Spike. Spike, il tire toujours sur la laisse comme ça, tu vois comment? Je dis, mais Spike... Puis, en fait, quand il voit un chat, il fait « chat !» Puis il voit un autre chien, il fait « Tu dis, mais ce chien, mais... Des fois, il court après des bagnoles, des voitures, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est quoi le projet? Donc, s'il l'attrape, il fait quoi? Il fait quoi? Il s'accroche à la roue, puis il tourne avec? Il attrape le pare-choc, il me le ramène? Non, mais je pense qu'il réfléchit. Mais nous, on est comme ça. Je te dis, on est comme ça, à courir. Après, ah, je veux faire ci, ah, je veux faire ça. Ah, ça va servir Dieu, ça va faire... Puis on fait faire ci, puis... Moi, je vous encourage à marcher au pas du maître. Parce que là, le chien Spike, bon, c'est une drôle d'analogie, mais quand même, le chien Spike, il oublie que je suis vraiment la personne qui l'aime le plus, qui veut le plus son bien. C'est pour ça que je le retiens. Parce qu'une voiture, c'est plus fort que lui. Puis un chat, ça peut le rendre aveugle à vie. Alors, du coup, de ne pas faire 36 000 choses, de ne pas traîner non plus, marcher ou pas. Et puis, Jésus, c'est quelqu'un qui marche tranquille. Il fait attention à notre rythme et puis il veut notre bien. Ce qui me plaît quand je vois l'Évangile, c'est la disponibilité de Jésus. Ça m'impressionne toujours. Pourtant, on pourrait dire qu'il a beaucoup de choses, il a un sacré ministère. Hein. Mais comment les gens peuvent l'approcher et parler avec lui? Je dirais que Jésus n'a rien d'autre à faire. Et je pense qu'en effet, on a des missions qui viennent de Dieu, puis plein d'autres qui viennent de notre imaginaire. Et puis que si on faisait celles que Dieu demande et puis qu'on refusait, mais qu'on ne faisait pas celles que... on pense si nécessaire parce que, vous savez, le cimetière est rempli de gens irremplaçables. Hein. Donc, moi, je pense que si on serait plus disponible, c'est de vivre le moment présent, d'être là. Par exemple, là, je dis ça pour beaucoup de gens, mais plutôt que d'avoir ton smartphone et puis de parler avec des gens ailleurs et, alors que tu es en présence d'autres personnes. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, mais d'être là, quoi.
Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait une longue tirade, je suis désolé. Tu avais peut-être un truc à dire. Non, mais je pense que c'est... On va pouvoir prier sur ces paroles. Bah oui, bah oui, c'est important pour chacun de nous de pouvoir entendre Dieu nous parler, d'être disponible pour l'écouter et d'être disponible aussi pour les autres. On pourra en parler aussi plus à la fin de cette série, à la fin de cette semaine. Là où vous êtes, où vous vous trouvez, on peut simplement voilà, se rendre disponible dans notre cœur déjà pour Jésus qui est là et qui veut nous parler, qui veut vous parler. Plusieurs d'entre vous, vous êtes dans la confusion par rapport à la voix de Dieu. C'est pour ça que vous avez été inspiré à regarder cette émission, où Dieu vous a dirigé vers cette émission. Et le Seigneur veut transformer, vraiment changer vos pensées, votre regard sur lui, votre regard sur comment on entend sa voix. Et c'est vrai, Jésus est disponible. Père, on veut te remercier. Te remercier parce que t'es vraiment fidèle. Et si souvent on a des fardeaux, on est comme ce chien-là qui veut courir le plus vite possible pour attraper je ne sais quoi. On essaie de faire bien les choses. On essaie de te servir alors que tu veux peut-être juste être aimé. Là, je veux prier pour mes frères, mes sœurs qui ont entendu ces paroles, les paroles d'Alain et te demander vraiment de les aider, de nous aider à toujours te mettre en premier. Aide-nous à discerner de plus en plus dans une sensibilité spirituelle ta voix. Rends-nous sensibles, Père. On a besoin d'être sensibles, on a besoin de reconnaître ta voix. Aide-nous à prendre ce temps, comme l'a dit Alain, Père, tout ce temps qui est gagné parce qu'on a pris un temps avec toi. Père, on t'aime. On t'aime pour qui tu es, on t'aime. Ton amour est extraordinaire. Seigneur, je te remercie parce que on n'est pas condamné à un monologue lorsqu'on va vers toi. On doit s'inquiéter de tenir la conversation parce qu'en face, on a quelqu'un qui ne parle pas. Seigneur, je suis super content qu'avec toi, on peut dialoguer. Et j'aimerais te prier pour tous ceux qui regardent là, que tu débouches les oreilles. Qu'au nom de Jésus, les oreilles soient débouchées. Qu'ils puissent avoir une réelle attitude d'écoute. Et que tu puisses enfin leur parler. Enfin, je sais que tu leur parles déjà, mais que tu puisses être entendu. Et que ça puisse déboucher sur de vraies amitiés. J'aimerais te prier que cessent les listes de commissions où on dit à Dieu ce qu'il doit faire. Seigneur, prie pour cela, je prie pour cette chose, je prie pour cette chose. Et je te demande une relation à la place. Un truc du cœur, quoi. Ça me fait penser, si ma fille, elle vient vers moi et puis qu'elle me prie, elle me parlait. Moi, ma fille... aussi en aimée, je me rappelle quand elle était toute petite à sa table en train de prendre son petit déjeuner, je viens vers elle et je lui dis « Mais comment tu vois ?» puis tout ça. Si nous, on lui parlait à Dieu d'une manière naturelle, ce serait tellement mieux. Mais voilà, nous, on ferait comme si ma fille me dirait « Notre Père d'appartement, que ton règne vienne, tout ça, c'est une belle prière, tout ça, voilà. » Puis on n'est pas vraiment en contact. Moi, ça me ferait de la peine comme père, tu vois, je serais blessé. Je me suis dit « Mais moi, j'ai envie de savoir comment tu vas, j'ai envie de savoir ce que tu ressens. Je voulais voir si tu as remarqué le cadeau que je t'ai laissé dans ta chambre. » Mais moi, ça me briserait le cœur comme père que ma fille fasse des prières blablabla, comme ça. Je ne parle même pas de prières apprises, tu vois. Je parle de ne plus réfléchir à ce qu'on dit, d'utiliser des mots bizarres, tu vois. Et franchement, ce serait trop dur pour moi. Et je me dis, c'est ce qu'on fait subir à Dieu, quoi. On lui fait un truc du cinéma, quoi. Simplement, vraiment parler avec son cœur et puis écouter, prendre le temps, tu vois.
On a tellement de choses tellement importantes à faire, mais qu'est-ce qui est plus important que ça, franchement? C'est-à-dire que non seulement on est sourd, mais on est aveugle aussi. Parce que si on pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça, on est passé à côté. Ce qui est important dans la vie, c'est les relations. C'est la relation avec son époux, la relation avec ses enfants, avec son entourage, mais surtout avec Dieu. Parce que c'est du même ordre, c'est de l'ordre de l'affectif, c'est de l'ordre de ça. Et c'est ça qui nous bénit vraiment, c'est ça qui compte. Donc si on a 36 000 autres choses avant ça, c'est qu'on est aveugle. C'est qu'on court, puis comme mon chien après une bagnole, quoi. Je suis convaincu de ça. Et puis, on aura dans d'autres sessions l'occasion d'en parler, mais quand tu laisses Dieu venir s'installer en toi, dans ta vie, c'est là que se passent les choses. C'est là que se passent les miracles, les choses incroyables. Ça ne dépend pas de tes efforts, c'est lui qui le fait. Mais on ne le laisse pas venir pour pouvoir profiter de ça. On le laisse venir parce que c'est notre ami, puisqu'on aime bien passer du temps avec lui. On prie pour une relation de plus en plus forte avec Dieu, de plus en plus intime, et que vous puissiez vous arrêter pour ces personnes que Dieu met autour de vous. C'était mon message de dimanche dans une église. Ouais. S'arrêter pour une personne et la façon dont Jésus avait le temps pour les gens, malgré son ministère international. Il s'arrêtait pour un Zachée, il s'arrêtait pour une femme, il s'arrêtait pour quelqu'un. Et il réussissait à passer du temps avec Dieu à la montagne, descendre après, enseigner les gens, prendre du temps avec eux, c'est une grande leçon pour nous. Et Père, je te remercie pour ces paroles, pour ce temps qu'on a pu passer avec nos frères, nos sœurs, et c'est vraiment notre désir, c'est de s'humilier, d'être à ton écoute, d'avoir l'oreille du disciple, être comme des enfants devant toi, apprends-nous. Je prie que tu apprennes, Père, à tous ceux qui écoutent, les pasteurs, les ministres, responsable de louanges ou d'autres, viens nous apprendre à être auprès de toi comme des enfants. Comme des enfants, tu nous aimes tellement. On te remercie, Père. On te glorifie. On t'aime, Seigneur. On va se retrouver, frères et sœurs, demain dans Prière inspirée. Ça va être un thème vraiment intéressant puisqu'on va voir comment Dieu nous parle dans nos rêves. Ouais. Voilà, à demain dans Prière inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1000 euros ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCITV à une nouvelle dimension.